Le double scrutin législatif et municipal aura bientôt lieu. Pour voter, il faut vérifier au préalable son inscription et identifier son bureau de vote. Vous pouvez le faire par SMS au 91 11 avec le numéro de téléphone que vous avez communiqué au moment de votre inscription. Vous avez le choix entre trois options. Au moment de votre inscription, puis envoyez-le au 91 11. Option 3. Saisissez le numéro de récépissé de votre dernière inscription et envoyez-le au 91 11. Le message reçu contient les informations suivantes. Nom et prénom, date et lieu de naissance, nom du père, nom de la mère, numéro CNI, numéro d'inscription, bureau de vote, nom de la commune. Avec le 91 11, vérifier son inscription et identifier son bureau de vote deviennent simples, faciles et rapides. 100 francs CFA, le coût du SMS. Ceci est un message d'Elections Cameroun. CRTV News, ici, toute l'info. We'll be right back.
Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au journal des élections, édition de veille de clôture de campagne sur la CIA TV, au cœur de la campagne électorale. Emmanuel Mbemioy, bonsoir. Good evening, Martino Ndege, ladies and gentlemen. Welcome to the last but one edition of the bilingual campaign news on the Cameroon Radio Television. It takes off in the northwest region where officials and elite of that part of the country have organized a sport walk to denounce the lockdown by separatist fighters on the population. The exercise in Bamenda today was an occasion for the governor, Lele Lafrique, to call on the population of the northwest region to overcome fear, come out on February 9 and exercise their civic duties. Ngoninge Swaibu Shari reports from CIA TV Northwest in Bamenda. The sports walk that took off from the governor's junction saw the participation of people from all walks of life, among them senior defense and security officials, members of government and other prominent members of the Northwest elite, business persons and civil servants. Through this gesture, the vital forces of the Northwest region were out to denounce the lockdown imposed on the population by separatist fighters. It is too much to see people remaining in the house, so we have come out to say we want peace to remain, to come back to the Northwest. We want people to go about their businesses. We want people to start working as they were working before and let the development of the Northwest start all over. The governor of the Northwest region, who received them at the Commercial Avenue grandstand, lauded their initiative and enjoined the population to shun fear and come out en masse on February 9 and vote in order to reap the benefits of the special status. Now over to the southwest region in Bongé. CPDM supporters in that part of the country have pledged to vote for the CPDM 100%. Come February 9, they were talking during separate rallies in that locality, as Charles Abuna reports from CRTV Southwest. Going in for the twin polls, have been using the different media outfits, even though it is a good weapon to present their agenda and woo voters. Some people, however, say there are reporters who also play the role of political party supporters. Experts caution that journalists should be more responsible. You lose credibility as a media person. And when you begin to attach yourself to a political party, as much as journalists and politicians share symbiotic relationship, that relationship is reciprocated by their different professional norms. Some media outfits have taken measures to ensure that their staff remain neutral in their reports. Given that the media has a role to play in maintaining peace and stability in the country, experts insist that those working in the sector must try to be as objective as possible, especially as we'll soon get to the post-voting phase. Dans 48 heures, nous serons le dimanche 9 février 2020, jour d'élection au Cameroun. Après 13 jours de campagne sur le terrain, les candidats et leurs équipes sortent les dernières cartes pour convaincre les indécis. Comment allons-nous le voir dans ce reportage de Séverin Alegambélé? On parlerait d'une équation difficile à résoudre pour les candidats et les partis politiques devant affronter les élections couplées de ce dimanche. Après 2 semaines d'une campagne électorale colorée, comptabilisant à l'actif des opérations de négociation et de séduction, ceux qui sollicitent les suffrages ont le devoir de s'intéresser à cet électorat qui a du mal à se déterminer. Il faut tenir compte de ces valeurs qui parfois orientent les choix ou les décisions. Nous sommes arrivés pour convaincre tous les Camerounais, indécis ou ceux qui ont déjà pris position pour les autres partis. Nous voulons leur dire la vérité, parce que les Camerounais sont sensibles à la vérité. Il faut dire la vérité au peuple souverain, mais les candidats ont surtout besoin d'être transparents et constructifs, moins manipulateurs. Le caractère local, en partie du double scrutin, le commande. Pour les 2 jours qui nous restent, nous devons aller vers les populations, leur présenter nos travaux depuis le dernier mandat, leur présenter tout ce que nous avons apporté pour l'amélioration des conditions de vie des populations et de continuer à faire le porte-à-porte jusqu'à samedi minuit. À la phase terminale de la campagne électorale,
Au regard des meetings, les foules sont immenses. Mais il faut tenir compte des indécis nombreux. And before this report, we were in the southwest region where we're going back again to see how the population of Bongay in Memed Division have taken the resolve to ensure that the Youth Day as well as the upcoming election goes on hitch-free. They were speaking during a CPDM rally and a football march in that locality. Charles Abuno has more from CRTV Southwest. Life is gradually getting back to normal in Bongay, and the population wants to catch up, especially the CPDM supporters who turned out for a campaign rally for the CPDM Bongay subsection. It's one list, it is one party, and the population are aware. They are ready to win the situation we have been suffering for quite a long time now. And if this introduction of this system of government wants to come in, we are all able to win. We are rest assured of the strategies we have put in place to submit votes for our party come 9th February 2020. Together with the divisional officer for the area, Ototo Williams, the mayor of Bongay, and other authorities, later joined the youths for a football tournament. The town is now fine, good. Everybody. The tournament was part of activities to mark the preparation of the forthcoming National Youth Day. 24 hours to the end of campaigns for the February 19 elections in Cameroon, CPDM team campaign in Le Bialem in the southwest region have changed their strategy. They are using national languages and door-to-door to get to voters who haven't decided to vote for the CPDM. Details in this report with our correspondent from CRTV Southwest in Boya. Three councils and lone parliamentary seat make for the political fight in Le Bialem for the February 9th elections. In this rally, CPDM presents its arguments. We are the only party that exists in Le Bialem. We are the only party that has a program. We are the party that is in government. We are the party that is in the Senate. We are the party that holds all the councils in Le Bialem. As I said during my speech, the goat doesn't live among lions. You know, the CPDM is a lion party. The CPDM is flames. The CPDM is a party for development, a party for unity. But the emphasis done in Pidgin and in the local dialects is not only on the choice, but the decision, not the number, but the action. The white ballot paper for the party is emphasized. No mistakes will be tolerated. They are going to put this intelligence to use when they will cast their vote, where more of their interest, where more of their development will be guaranteed. And that vote is going to be for the CPDM. As the march to conquer in the nooks and crannies of the division, the CPDM Le Bialem is calm and collected. CPDM supporters in Ngoke, Tunja, Bui and Donga and Mantung divisions of the Northwest region say they now know for whom to vote. Come February 9, they have chosen to vote for the CPDM in separate rallies in the different divisions. Details with a joint report from our reporters of CRTV Northwest. Kutunja, the CPDM is targeting the three councils of Balikumbat, Babisi and Dop in the municipal elections, while they are also vying for the two parliamentary seats. For close to 2 weeks, the team has targeted everyone. We've gone through the whole mechanism of preparing for an election and making sure on that day we'll be casting our votes. Bui Division, the CPDM will be battling the SDF in both the municipal and legislative elections. Here, officials of the CPDM have so far been overwhelmed with the feedback from the field. In Tatum and Kum in particular, there has been a big rally. The populations have come out. Mbiami people have said that they are tired. The same thing they did in Kum, to show that they are ready to turn over a new page. If the CPDM is standing unopposed, in some parts of Donga Mantum Division, its officials have been crisscrossing the different villages and towns to convince voters to lend credence to their party. In Kambe Center, we have already an MP here standing. In Mwa,
We have the council. We have the council in Kambe. We just want to gather the rest and make sure that Donga Manto has 100%. Party officials are still holding strategic meetings on daily basis in order to ensure victory is theirs on Sunday, February 9th. Vous regardez le journal des élections sur la CRTV au cœur de la campagne électorale. Madame, Monsieur, de votre fidélité, merci. On va dans le Nord-Ouest à présent et dans le Ndonga Mantum plus précisément, où plus d'un millier d'électeurs acquis à la cause du RDPC promet de vaincre la peur et d'aller aux urnes dimanche. CRTV Nord-Ouest, Valentin Kwa 2, reportage. Y compris Mbinka, Gérard Ngala ne veut laisser nulle place où la main de l'opposition ne passe et repasse. C'est la dernière ligne droite de la campagne électorale. Ici, la tête de législative en Kambe Centre est venue communier avec les siens. Plus de 2500 militants de RDPC qui sont sortis pour écouter le message de paix et de développement. Et ils m'ont assuré qu'aucune menace ne va les empêcher d'aller aux urnes le 9 février. Voici déjà une semaine et demie que l'opération de charme se déroule. À l'assaut final, c'est plutôt un résultat rassurant. Le tout sera connu au soir du 9 février 2020. Il a deux jours. Nous allons maintenant à Douala, dans le littoral où le PCRN fait naître l'espoir d'un quotidien sans coupure répétitive d'énergie électrique. L'ambition est de Nouran Hassana, épouse Fotsing, candidat PCRN aux législatives. Aboubaka Abou de CRTV Littoral nous en dit plus. De l'eau et de l'électricité en échange des voix. Voilà le deal proposé par Nouran Hassana Fotsine, tête de liste PCRN Vouri Est aux législatives, aux populations de Douala 5e. Le voyage de campagne du PCRN s'est offert un arrêt dans cet arrondissement. Pour nous, il est question de mettre sur pied les barrages, les mini-barrages hydroélectriques. C'est une solution vraiment très rapide et efficace. C'est des barrages qui peuvent alimenter des quartiers entiers quand c'est bien fait, avec des cumulateurs d'énergie. Donc pour nous, c'est une bonne solution, c'est une bonne alternative. C'est sous une cape de sauveur que la tête de liste est apparue, déroulant des solutions pour ces populations. Son projet de société devrait, selon elle, combler tout le monde. En ce qui concerne le contrôle de l'action gouvernementale, il y a beaucoup de laxisme dessus. Et on dirait que les élus d'ici ferment les yeux sur pas mal de choses. Donc on leur dit que nous allons être vos yeux, vos oreilles, on va voir ce qui se passe, on va écouter ce que vous dites et on va apporter une solution. Les populations en ont eu pour leur temps. Le PCRN, lui, continue son ratissage de terrain, donnant tout avant le 9 février prochain. Dans le Mungo Nord, meeting, porte-à-porte et causerie ponctuent les dernières heures de campagne du RDPC. Le constat de Joseph Itoté de CRTV Littoral à Douala. En l'espace de 12 heures, l'équipe de campagne du RDPC a échangé avec plus de 60 associations dans le chef-lieu du département du Mungo. À chaque étape, le message est demeuré le même. Un vote utile en faveur des listes du RDPC. Une exhortation qui s'est faite à renfort d'arguments. Autre temps fort de cette opération de charme dans le Mungo Nord, la concertation avec les regroupements associatifs des conducteurs de mototaxis et les jeunes en âge de voter. Les jeunes occupent une place très importante dans la politique du RDPC parce que c'est sur eux que repose le développement du Cameroun. Bien avant ces différentes concertations, l'équipe de campagne du RDPC était en Borokou dans l'arrondissement de Melon où deux meetings ont permis de s'adresser aux potentiels électeurs. Aïdéa Premier, le président de la commission départementale RDPC dans la Sanaga maritime, booste le moral des candidats. C'était hier lors d'un meeting présidé par Jean-Ernest Masséna Galébibéhe. Le reportage de Mayra Mumbia Abbas à Douala. Bakombe Amboisonné, en passant par Ilokbele, les candidats en compétition pour le RDPC Aïdéa Premier ont reçu le soutien du ministre. Nous les appelons tous à voter pour les listes du RDPC au soir du 9 février, aussi bien pour les législatives que pour les municipales, afin que le programme qui a été initié par le président de la République soit implémenté. En plus des promesses de campagne, le RDPC a misé sur l'équilibre à travers une liste municipale qui intègre toutes les composantes sociales. Ce sont des listes qui
représente la diversité du Cameroun. Nous sommes à la veille d'une opération de décentralisation effective et nous ne pouvons donner nos communes aux personnes inexpérimentées. Tout en poursuivant le porte-à-porte, les candidats du RDPC dans la Sanaga maritime vont multiplier les meetings en attendant le jour J. The population of the littoral region have been assured of their security during voting day. The assurance was given during a special program over CRTV Littoral today ahead of elections. Ebu Doris Fankem has more from CRTV Littoral. In less than 48 hours, inhabitants in the city of Douala will go to the polls to exercise their civic responsibility in the municipal and legislative elections. The door-to-door campaign and other different political effervescence that characterized the campaign period to lure voters have reached fever pitch as the campaign ends by midnight on February 8. The population has been assured of maximum security on that day as they go out to the polls. We are just appealing the population of Littoral to be ready to go on Sunday without any fear to go and vote and come back safely at home. Douala is therefore set. And inhabitants of the city are only waiting for February 9 to do their part. In the West region, CPDM supporters of KKM have been told to cast their ballot in favor of the CPDM Emmanuel Nussi. The candidate for the locality was speaking as he went door to door convincing voters. Chair Tembok reports from Desa. The CPDM candidate running for the mayorship of Kekem, Emmanuel Nussi, is preaching good health for the population and putting that slogan into practice by providing free screening sessions to the people in order to preempt malaria and hypertension. In places like Fonkwankem, Mumei and Balembo witnessed a massive turnout of the population. He was handed over a traditional command baton as a sign of authority for the accomplishment of his mission. An eye-catching moments at Balembo was when some former members of the Cameroon Renaissance Movement promised to vote the CPDM candidate on account of his development projects in the area. Candidate Nussi presented gifts and financial assistance to the population at every campaign stop. We're staying in the West region, this time in Sanchu, where candidates of the Social Democratic Front and the CPDM are battling to take over the council, the Sanchu Council. The flag bearers of the parties continue their door-to-door campaigns to convince voters who haven't yet decided for whom to vote in their favor. Details with Chanceline Nanzi. Market day in Eshop, a locality in Sanchu, which harbors six villages placed under the responsibility of Francois Ndi for the CPDM campaigns. The main argument we have is that it's only Paul Biya that can develop our area. The last series that happened here created a lot of problems. Only Paul Biya that came and consoled my population. So we are asking for him to come and also be behind us to help us to go very far. That's why every person here will choose Paul Biya for the following election. The SDF campaign team was equally in action. They know that they have to vote the SDF because the slogan of the SDF is power to the people. Over in Penka Michel, the leading CPDM candidate for parliamentary elections, Mbakam Guillaume, is convinced of the wisdom of his comrades and electorate. I'm sure that in our area, we should have a 100% vote. I'm very sure. It was indeed campaign day in the Manua division. Prenons à présent les échos de la campagne électorale comme elle va dans la région de l'Ouest. Premier arrêt, le Kunki, plus précisément à Banjoun et à Dengben, où les dernières consignes ont été données. Les commissions communales de campagne du RDPC jouent là-bas. La dernière carte, CRTV Ouest, Flore Demier, reportage. Que ce soit à Moucha, Famtim, Moudjo, Semtor, dans l'arrondissement de Djebem, le président communal Lazare Kaptué et ses colistiers brandissent le bulletin de vote du RDPC. Le RDPC est pour l'instant le seul parti qui peut leur faire
connaître le vrai développement. Le même son de cloche retentit à l'école Saint-Charles de Pète Banjoun, où Albert Kouinch, député sortant et tête de liste RDPC aux législatives, a fait ses premiers pas en tant qu'élève. Le choix n'est pas hasardeux. Nous sommes engagés à faire du Konki un département riche en développement. À l'hôtel de ville de Banjoun, les jeunes de différentes communautés orientent leur choix sur l'adjointe au maire sortant de Pète. Et tous prennent langue pour le vote à l'unanimité du RDPC le 9 février. Ils connaissent tous les candidats de ces listes. Ces candidats sont des leaders qui leur ont prouvé depuis plusieurs années qu'ils pouvaient compter sur eux. La caravane du Rassemblement démocratique du peuple camerounais va se déployer encore ce vendredi et samedi dans le Konki. À Bahama et à Banka, le RDPC et le SDF évaluent leurs opérations de charme et se disent confiants. CRTV Ouest, Jean Amstrong-Djou nous en dit plus. Dieudonné Kamdem, la tête de liste RDPC, candidat pour le conseil municipal de la commune de Baham, arrondissement des Hauts-Plateaux, est très optimiste. Nous avions donné ce qu'on appelle la condition physique à tous nos militants. Ça veut dire qu'ils sont prêts à gagner ce match. À Chefou, Kafou ou à la chefferie Medjo, la persuasion des potentiels électeurs se fait en rang serré. Les cadres du parti appellent à la grande mobilisation. Nous avons dit à nos mamans que le mot boycott n'est pas celui du RDPC. En particulier, se sont levés comme un seul homme pour relever le défi du taux de participation qui doit tourner autour de 100% et le défi du maximum de suffrage entre 75 et 80%. La langue vernaculaire, le Ngomala, est utilisée ici comme stratégie de communication efficace. Pendant ce temps, le Social Democratic Front poursuit la stratégie utilisée depuis le début de la campagne, le porte-à-porte. Les urnes diront au soir du 9 février qui aura été le plus efficace sur le terrain. Clap de fin pour la campagne électorale à Mingtom dans le sud où les électeurs promettent un vote à 100% en faveur du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. C'était hier jeudi en présence du mandataire du RDPC là-bas, Georges Elanga Obama. Étienne Pascal Azegué revient de Mingtom avec ce reportage. D'arrondissement de Mingtom, localité frontalière dans la région du Sud Cameroun, bénéficie de plusieurs réalisations fruits du renouveau, telles que le bitumage de la route Djoum-Mingtom-Lalée, l'électrification rurale ou encore la construction de l'hôtel de ville. Les consignes de vote sont reprécisées par le vice-président de la commission de campagne électorale dans le Jaï Lobon, Georges Elangobam, à quelques heures seulement du scrutin. Nous avons demandé à tous les militants de se mobiliser pour que le 9 tous aillent comme un seul homme plébisciter les listes du RDPC dans les conseils municipaux et pour les candidats que le parti a présentés dans la circonscription politique du Jaï Lobo pour les élections législatives. Le meeting de clôture de la campagne électorale à la place du marché de Mingtom était une occasion pour les militants du RDPC de communier avec les candidats aux municipales et législatives. En attendant, l'apothéose le 9 février prochain. Vague rouge dans les grands carrefours de la ville de Yaoundé. Ce matin, l'UPC veut gagner du terrain en séduisant un maximum d'électeurs dans la circonscription. Christ Afana, tête de liste au municipal, et Philippe Omam, candidat UPC aux législatives, étaient sur le terrain en compagnie de notre reporter José Gaëtan Tianga. Pour des villes de l'Union des populations du Cameroun, la caravane motorisée qui se déploie vise un seul objectif, convaincre l'électorat à voter massivement pour le bulletin rouge. L'Union des populations du Cameroun est la seule formation politique à même d'apporter les solutions idoines au contexte du pays. Nous avons justement mis en action une batterie de mesures qui visait justement une campagne de proximité, du porte-à-porte. L'UPC veut impulser un vent nouveau au développement du Cameroun, mais avec des hommes nouveaux. Le double scrutin du 9 février prochain est donc la cerise sur le gâteau. Emmanuel Amvamio, et nous poursuivons en anglais avec vous.
We are in the center region where the CPDM for the CPDM campaign team for Murphy and Akono has closed campaigns for the February 19 polls. This was during a rally today chaired by the divisional campaign head Gaston Elundu Esomba. Details with Ndakilian Difon. The inhabitants of Nkoncha Municipality in Mefu and Akono Division now have portable water and electricity, social amenities brought to them in about 1 year. The one next important thing on their list is road infrastructure. In a rally to close the CPDM campaign for the whole division, they have been told that a vote for the party guarantees development for the entire administrative unit. This is our last meeting, and really I'm very, very confident that you are going to make the best score. What I told the population is to be ready on Sunday morning. Everyone have to go and vote. The closing campaign was attended by candidates for the twin municipal and legislative polls, a sea of party supporters and officials among them. The head of the Central Committee Permanent Divisional Delegation, Professor Marie-Thérèse Abena-Ondua, all committed to carry the CPDM to victory come Sunday. Supporters of the CPDM in Fundi 3, 4 and 5 constituencies have assured the party of 100% vote on Sunday. This was today during separate rallies in the town. Details in this joint report. Was huge. The messages short and straight to the point. Campaigns in Fundi 3 have wrapped up, but CPDM supporters must not forget the deal. The CPDM's list at the legislative and municipals must triumph. They must vote massively. I think that I will have a good score and will permit to have the place in the new council and all PMs in the new parliament of assembly. Andre Mamafuda reassured the population of Obogobo, Rompuan Damas and its environs that a win for the CPDM at the legislative and municipals is a win for development. The caravan which came to the Angisa, Mimboman and the Kundum neighborhoods in Yaoundé 4 was led by the president of the Communal Campaign Commission, Philip Bagamboa. In a door-to-door approach, the inhabitants were assured that their grievances will be looked into, provided they vote massively for the CPDM. They know where is the right way, and people know what we can do for them, what we have been doing for them. This exercise marks the end of campaigns in Yaoundé 4. The CPDM is facing three opposition parties in the legislative race for Yaoundé 5. But has the lone list standing for the municipal elections in the area. Party officials here say they are aware of the problems of youth unemployment, road infrastructure and others, which are the main concerns of residents. The main message we transmitted to our population is that we want that they should cast their vote in favor of the list of the CPDM. They have all agreed to meet again after the February 9 polls to celebrate the victory of the CPDM in grand style. Dans la Benoué Ouest, et nous sommes dans la région du Nord, la commission départementale de campagne RDPC a achevé sa tournée de séduction à la boucle les étapes de Touroua, Mbok, Lé et Garoua. Ousmane Assandaï à tout. Le président de la commission départementale de campagne RDPC Benoué Ouest a rencontré tour à tour les communautés Massar, Mundang, Tupuri, Giziga et celles du Mayotchanaga qui vivent déjà en parfaite harmonie avec les populations de Garoua. Mais pour entrer de plein pied dans le cercle de décision, Gabriel Bayrobe leur a demandé de porter leur choix sur les listes RDPC. À Garoua, ils sont chez eux, il faut qu'ils se sentent chez eux, ils votent pour la ville et ils votent pour être associés à la gestion de la cité. Malgré la présence de l'UNDP et du FSNC sur le terrain, pour Gabriel Bayrobe, il n'y a rien en face. Il compte sur ses militants de première heure pour avoir une majorité absolue et faire de Garoua le fief du RDPC.
Sa Majesté Alim Gara Yatou est également sur le terrain. Le Lamido de Garoua invite les électeurs à rester mobilisés pour le RDPC jusqu'au soir du 9 février afin de remporter la victoire de la paix et de l'émergence. Ousmane Sanda, une fois encore. Les autorités traditionnelles, religieuses, militants, sympathisants du RDPC et de nombreux curieux ont répondu présents à l'appel du Lamido de Garoua. Sa Majesté Alim Garga Hayatou, d'entrée de jeu, les a remerciés pour les prières sans cesse faites pour la préservation de la paix au Cameroun avant de leur demander de manifester une fois de plus leur soutien au pouvoir en place. Premier message, traduire la sincérité, rester fidèle au pouvoir. Et cette campagne de proximité ne s'entend pas seulement à écouter le message de Lamida sur place, mais d'aller à partir de ce soir, de porte en porte, pour que les uns et les autres soient imprégnés réellement de la dimension de ce message. Avant de regagner son palais, Sa Majesté Alim Garga Hayatou a prôné le vivre ensemble et invité les populations de Garoua à rester dignes en cultivant l'esprit du travail pour l'émergence du Cameroun en 2035. Les voix de Mayo Oulo sollicitées pour le triomphe du RDPC. Aminatou Aïdjo l'a rappelé hier au cours d'un meeting là-bas dans la région du Nord. Eugène Bey est dans sa suite. Citadelle imprenable du RDPC depuis la création de cette unité administrative, Ngong a sorti ses muscles ce 6 février à l'occasion du meeting de clôture de la commission départementale de campagne de la Benoît-Ouest, sous l'égide du ministre Bayrobé, et du meeting de soutien aux candidats du RDPC organisé par Aminatou Aïdjo. Les militants sont enthousiastes et comptent bomber le torse au soir du 9 février prochain. Mais il faut rester vigilant et mobiliser pour un vote massif en faveur du RDPC, ont recommandé les différents responsables politiques. Le maire sortant, candidat à sa propre succession, reste confiant. Faire un meeting de clôture où vous avez Madame Aminatou Aïdjo, le président de la commission départementale, le ministre Mbairobé, venir soutenir les candidats. Je reste convaincu que la victoire est à portée de main. La fête s'annonce belle en grand avec la bénédiction des autorités locales. You're watching the campaign news on the CRTV. We now go over to Mayo Oulo, where supporters and sympathizers of the NUDP have been called upon to vote for the party on February 9 and see local developments stimulated in their locality. The national chairman of the National Union for Democracy and Progress, Bello Buba Maigari, was speaking during separate rallies in Mayo Oulo, Gidere, and Figi subdivisions. Details with Joyce Malangang from CRTV North. In Gidere, Figil and Mayo Oulo subdivisions, the effervescence of the NUDP electoral campaigns is at its peak few days to elections. In the various localities, the party has promised to stimulate local development through substantial assistance to farmers, students and to the less privileged. These added to the construction of boreholes and road rehabilitation projects. The national chairman of the NUDP, Bello Buba Maigari, admonished the electorate in the three localities to vote in favor of the party's lists so as to secure the three other parliamentary seats and the two other councils in the Mailuti division still run by the opposition. This time around, we want the three local communities for our party. I am appealing to them to maintain that spirit, the winning spirit, on the 9th. A goal which supporters and sympathizers of the National Union for Democracy and Progress in Mailuti Division have pledged to achieve come February the 9th, 2020. Over in the Far North region, the leader of the CPDM campaign team for the Far North region has expressed confidence in the victory of the candidates of the Diamari North. Ibrahim Taba Mala was speaking during a rally in Bogo, as you tell us, Ayuk Jonashu from Marwa. CPDM members and supporters remained enthusiastic for hours in the courtyard of the Lamidat of Bogo before members of the regional delegation for the party's campaign, led by Minister Ibrahim Taba Mala, arrived.
to him, with the huge mobilization, it was needless to be preaching to the converted. And we are waiting for the results, not only as far as the legislative election are concerned, the municipal election. Minister Ibrahim Taba Mala cautioned that as the people prepare to vote for men and women who will later be called upon to choose their representatives in the regional council, they should bear in mind that those with whom they were campaigning during the 2018 presidential election are today their opponents, who too are leaving no stone unturned to secure victory. In the Jamare North constituency, Mayor of Bogo and Pete, the CPDM parliamentary candidate Honorable Hamadou Saleh is running against a candidate of the NUDP party. We stay in that part of the country where the ANDP has promised to develop Marwa if they come out victorious on Sunday. This was during a meeting in Meskine in the presence of the president of the party, Amadou Mustafa. Details with Melanie Mafish. It was a message of change, a message that said the potential of Meskine can be developed only by the national. The gathering that the victory for his party would enable Meskine get better roads, schools and potable water. We have a strong bond with the Meskine people. Some 12 years ago, I came and completed an unfinished government secondary school, which is today known as Government High School Meskine. We have done a lot here, and in 2013, the population promised to wipe away my tears, and the tears are still flowing now, and I hope this 2020 they will keep to their promise. It was an opportunity for the candidates of the NADP to be presented to the Meskine community with a call for the population to pick up their voter cards and support the party come February 19 polls. The CPDM legislative team for Mayo Sava South constituency has rounded off its campaign with a mega rally in the village of Makalingai in Tokomberi. As Esther Kima reports, the population under the guide of the Sultan of Mora took the engagement to vote for the CPDM. The choice of Makalingai as culminating points for the CPDM legislative campaign in Mayo Sava Division was no accident, as the mammoth crowd that turned out for the rally was a strong testimony to their adherence to the party. All the orators, which ranged from the CPDM section president, Nabahans, leading the delegation, to the traditional ruler of Makalingai, His Majesty Bukati Kire, reiterated that Tokomberi will remain a stronghold of the CPDM in recognition of the development projects executed and on course in the area. Delighted by achievements such as educational establishments, water points, electricity supply and agricultural grants, all made possible by Honorable Kavayege Jibril, the people promised a 100% vote for the CPDM legislative candidates on February 9. The same commitment was taken in Mora, where Sultan Muhammad Alhaji Ibrahim Bukar, accompanied by the campaign team leader Bukar Abdurrahim, and joined his notables and spiritual leaders in the local Mandara to plebiscite all the CPDM lists during the polls as a show of gratitude to the party chairman Paul Bia, who has guaranteed the return of peace and security in the locality threatened by insurgencies. The message of steadfastness and belief in Cameroon's emergence goals was also echoed to the youth gathered at the concluding rally in the Sultan neighborhood of Mora. Si vous nous rejoignez à l'instant, c'est le journal des élections sur la CIAR TV au cœur de la campagne électorale. Merci d'être avec nous, madame, monsieur. À Domayo, dans le Diamaré, centre 1, les candidats du RDPC prennent l'engagement d'œuvrer à l'amélioration des conditions de vie des populations. Job Nganadako est à Marwa. Ils ont mis leur réalisation en avant pour mieux gagner à nouveau la confiance des populations. Dans le Diamaré Centre 1, à Marwa 1er, les principaux candidats RDPC pour le double scrutin se disent confiants.
Parfois, nous illustrons même ces interventions par des photos et des témoignages des riverains dans le domaine hydraulique, dans le domaine de l'éducation, de la santé. Face aux populations de Domayo, les responsables des listes RDPC pour les législatives et les municipales ont rappelé aux populations que voter RDPC, c'est voter utile et pour le pari de la continuité. Nous travaillons en rang serré. La victoire sûre, d'autant plus qu'à Domayo, sur les 65 000 électeurs, Domayo seul a déjà des 19 000 électeurs. Jusqu'à présent, la campagne se déroule sans accroc. Le meeting de clôture de la campagne dans la section RDPC Diamaré Centre 1 a permis aux candidats de s'assurer que tous les électeurs sont acquis à la cause du parti du flambeau ardent et qu'au soir du 9 février prochain, le RDPC sortira vainqueur. Dans le littoral, dernières opérations de charme, dernier réglage pour le RDPC. Le parti reste mobilisé dans les arrondissements de Douala, 2e, 3e et 5e, comme nous le montre Ruffin Kacham de CRTV Littoral dans son reportage. Dans la commune de Douala 2e, l'équipe de campagne RDPC, conduite par Jean-Stéphane Biacha, est venue rencontrer des électeurs déjà conquis à la cause du RDPC, comme l'a rappelé leur porte-parole, Marine-Catherine Danjou, qui promet au nom de cette communauté du Grand Nord un plébiscite aux listes conduites par Denis Fampou et Emmanuel Pongo. Je vous dis, je connais parfaitement les problèmes de Douala 2e. Même effervescence au quartier Lorbaba, l'équipe de campagne RDPC Douala 3e a mis les bouchées doubles. L'enjeu est de taille dans cette circonscription électorale. Reconquérir la mairie au SDF, dit André Long, président communal de campagne. Aux électeurs, une seule recommandation, voter utile, c'est-à-dire les listes RDPC, conclut-il. À Douala 5e, le RDPC surfe sur le social pour engranger le maximum de voix le 9 février. Comme ici dans ce centre social qui accompagne les déplacés internes. L'équipe de campagne RDPC n'est pas venue les mains vides, mais les bras chargés de produits alimentaires de première nécessité. Après cet arrêt, l'équipe conduite par le maire Gustave Ibanda va aller à la rencontre des électeurs du quartier Misoke 1. Mot d'ordre du chef de ce village aux populations, un vote massif aux listes RDPC. Fin de tournée électorale du secrétaire général du comité central du RDPC à Ngaoundéré dans la Damawa ce vendredi. Consigne de Jean Kouété aux militants rappelée par Daniel Belinga Ngéné de CRTV à Damawa. Et c'est le jour de vérité. Pour maximiser ses chances ou pour dire ne rien laisser au hasard, le secrétaire général du RDPC, Jean Kouété, a rappelé aux militants de la Damawa de rester vigilants. C'est une période particulièrement sensible qui requiert une extrême vigilance et une grande prudence. Ici en Ngaoundéré, tous sont confiants. Le RDPC a mille fois, mille chances de maintenir le cap. Surtout que la présence du secrétaire général dans cette partie du pays réconforte la position de choix qu'a la Damawa au sein du parti. Pour le chef de la délégation permanente régionale du RDPC, El Hadj Mohamedou Abou Ousmanou, la Damawa ne saurait être prise par un autre parti. Nous ne fermerons pas l'œil jusqu'au 9 février, a-t-il rappelé. Le vice-premier ministre, secrétaire général du comité central est ici pour galvaniser les sympathisants, les militantes et les électeurs du RDPC que nous sommes. Dans son allocution de circonstances, le secrétaire général a promis transmettre au chef de l'État les doléances de la région. Il a aussi invité ses camarades à ne pas être les militants chauves-souris. À Yossa, dans le centre, le sommet et la base du RDPC parlent d'une même voix. Le plébiscite du parti a été confirmé au président de la commission communale de campagne, le professeur Alain Didier Olinga, Evariste Eyenga. Le jour du scrutin approche à grands pas et le Oignon entend inscrire son nom en or pendant ses municipales et législatives à travers un vote utile. La présence du secrétaire général adjoint du comité central, le ministre Grégoire Owona, a un bonbon plus qu'un symbole renseigné à suffire sur la place de choix que les populations accordent au RDPC dans ce département. C'est un sentiment de joie
un sentiment de satisfaction parce que la présence du ministre Grégoire Ouana ne peut que nous galvaniser et nous faire comprendre que nous avons le soutien de notre hiérarchie dans ce que nous sommes en train de faire. À la place des fêtes d'un bonbon, la mobilisation est exceptionnelle. Les militants et sympathisants sont tous unanimes. Les listes du RDPC doivent être plébiscitées à 100%. Le président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais fait une part belle aux femmes et aux jeunes. Et la seule manière pour nous de le lui rendre, c'est de se mobiliser fortement pour pouvoir lui donner une légitimité. On doit voter pour les listes du RDPC. Cérémonie rehaussée par la présence des artistes et groupes de danse, véritable expression de notre identité culturelle. Il s'agissait bien de la mobilisation des militants et sympathisants du RDPC hier à Bonban au cours du meeting qui s'est tenu en présence du secrétaire général joint du comité central du RDPC, Grégoire Ouana. Emmanuel Anvemio, et la suite. We go over to the Northwest region where the Minister of Territorial Administration has affirmed that political parties in the Northwest region are ready for February 9 exercise. Paul Atanganji made a declaration at the end of an evaluation meeting in Bamenda. Take a listen to what he had to say. As to the end of the campaigns, I think that the general assessment is that the security situation is under control. The political parties are going around doing their campaigns. And the local population, I think that they have the intention to go and vote. You remember on the 31st of December, President Paul Biya, in his end of year speech, told Cameroonians that those who have registered should go and vote, because when you go to vote, that is the best way that you can participate in nation building. The governor of the region, the senior juvenile officers, and the force of law and order have made an assessment of the situation. As I said earlier, I can tell you that everything is under control. ELECAM is on the field, and I think that I can ascertain that elections will take place in all the divisions and the subdivisions. Back in the center region and in Kolmesi, CPDM supporters have taken the engagement to vote for the party tomorrow in order to see development come to their local. Details in this report. Together, supporters and sympathizers of the CPDM at the Esplanade of the Chief's Palace in Kolmesi was to crown proximity campaigns undertaken in the locality. We have organized this meeting to convince our people to vote all the CPDM lists and candidates on February 9. And of course, to consolidate the image of Etenga clan. As a sign of their commitment to give a landslide victory to the CPDM, the Etenga people shared the traditional meal Namo Wondo. In the meantime, CPDM supporters at Nkwakom braved the night to turn out in their numbers and affirmed the resolve to vote only for their list and candidate on Sunday. Then Sang Esenge, one of the three aspiring candidates representing Gumufor in the list of CPDM for the council. La région du Nord-Ouest est prête à 95% à participer au double scrutin de dimanche prochain. Déclaration faite ce vendredi à Bamenda par le ministre de l'administration territoriale. Je vous propose d'écouter cet extrait de Paul Atanganji, sélectionné par nos reporters de CRTV Nord-Ouest à Bamenda. Et que ELECAM est présent sur le terrain. Les démembrements d'Elections Cameroun ont déjà reçu le matériel électoral. Nous avons aussi constaté, d'après les rapports fournis par les responsables des forces de défense et de sécurité, que la situation sécuritaire est sous contrôle. La sécurité est d'ailleurs renforcée à la demande des populations. Et je pense que, sincèrement, avec le constat fait dans les rapports des autorités administratives, en commençant par le gouverneur, nous sommes sereins et nous pensons que les élections vont se dérouler dans le calme et dans la sérénité dans cette région du Nord-Ouest. We now go over to the South region in Kiosi, where the National Union for Democracy and Progress has been canvassing for votes few days to the end of campaigns. Bernice Atabong tells us how.
Of the National Union for Democracy and Progress, the NUDP in QC, say victory for their party at the upcoming municipal election is sure. A senior official of the NUDP came to encourage supporters who have been on a door-to-door sensitization campaign for days. The official says the NUDP wants to bring change in QC. We are calling on the people of QOC to vote for the NUDP so that they can benefit from the quality management of councils and improve their living conditions. In view of ensuring the well-being of the people of this cosmopolitan municipality, which shares borders with Gabon and Equatorial Guinea, the party has plans. We are going to issue birth certificate. Most people here don't have them. We will construct roads and boreholes, open new market and create employment. Followers of the party say they are not intimidated by the CPDM and the CDU, other parties that are contesting for the QC Council. Over in the Penka Michel subdivision and Mwanko, CPDM supporters have been told to cast their ballots in favor of the party. Details in this joint report. The population of Penja subdivision, which is an agricultural hub in the Mungo division, face a lot of difficulties in their daily lives. As the Cameroon People's Democratic Movement, the Social Democratic Front, the National Union for Democracy and Progress, and the New Cameroon Patriotic Movement parties are fighting to conquer the council seat in Penja, the people expect a lot from the person who will be elected mayor come Sunday, February 9th. They need water, they need light and school. We have food, we have medicine here, but we not have the possibility to transfer it. Meantime, in Mwanko subdivision in the Sanaga Maritime, the population also expect a lot from the one who will be elected, either from the CPDM party or the Movement for the Liberation and Development of Cameroon, battling for the municipal seat. The road should be reconstructed in a way that vehicles can easily move in order to ease transportation. Yes, and also the educational system should also be improved, because in the primary school it's as if the teachers are not sufficient. As the parties vying for the Penja and Mwanko councils continue campaigns to woo potential voters, the wish of the population is that their new mayor will be one who will be ready to improve their living conditions by providing them with the much needed basic necessities. Fin de ce journal, Madame, Monsieur, vous avez pu voir la mobilisation de tous les partis politiques. Vous avez également pu voir comment les partis font pour séduire les indécis. Madame, Monsieur, merci d'avoir regardé. Demain, c'est la dernière édition du journal des élections en deux temps, 21h et 23h. Nous vous donnons donc rendez-vous demain, lorsqu'il sera 21h sur les antennes de la CRTV. Merci de votre fidélité. Bonsoir. Emmanuel Nvemioye, à demain. See you tomorrow, Martin. Ladies and gentlemen, thanks for watching. Good night.